à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo crash test. Je sais que vous aimez bien ça, moi j'adore ça. En fait je m'apprêtais à me laver les cheveux et je me suis dit mais tiens, je vais filmer puisque je vais tester un produit de chez Aromazone, le vinaigre naturel fleur de coco. Je l'ai commandé il y a quelques semaines et je l'avais de côté, je l'avais pas testé, je l'ai carrément oublié même pour vous dire. Mais là aujourd'hui je me suis dit ah mais tiens, je testerai bien un nouveau truc. Donc voilà, je vais tester ça. Il y a quelques années j'avais déjà testé le rinçage à base de vinaigre de cidre, mais je vous avoue que ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Ça fait pas partie vraiment de ma routine. Je le faisais avant, je crois que j'ai dû le faire aller peut-être 3 fois à tout casser il y a quelques années. Et après bah j'ai carrément oublié et c'est sorti complètement de ma routine. Donc là je me suis dit que ça peut être pas mal de le tester avec vous. Apparemment c'est dingue, les avis sur le site de Aromazone sont tous positifs, mais vraiment en fait tout le monde est conquis. D'ailleurs il y en a deux, il y a fleur de coco et l'autre à la grenade. Moi je testais fleur de coco. Je vais vous lire directement les bienfaits qui sont sur le site d'Aromazone et pourquoi je voulais absolument le tester. Donc en gros, ça apporte de la brillance, ça neutralise le calcaire, ça resserre les écailles, ça diminue la porosité des cheveux secs, crépus et fragilisés, ça rééquilibre le pH naturel des cheveux, adoucit et embellit les cheveux, favorise le démêlage, assainit les cuirs chevelus gras et apaise les démangeaisons en cas de pellicule. Donc en gros, ça fait pas mal de choses vraiment très très bien. On peut l'utiliser de différentes manières. Moi je vais l'utiliser en rinçage, vraiment en dernier rinçage. Donc pour ça il vous suffit d'avoir un contenant. Donc moi je vais utiliser ce shaker là, voilà, c'est pratique, il est déjà gradué. Forcément bah, le vinaigre et une cuillère à soupe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 500 ml d'eau dans notre contenant avec 2 cuillères à soupe de fleurs de coco. C'est parti. Alors je remplis mon eau. Donc voilà, j'ai mes 500 ml d'eau, je vais rajouter maintenant 2 cuillères à soupe de vinaigre. Et d'ailleurs, on peut également l'utiliser dans les vinaigrettes, enfin en tant que vinaigre vraiment normal dans vos recettes alimentaires. Une cuillère à soupe et 2. Et voilà, mon eau de rinçage est prête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma routine capillaire normale. Donc shampoing, je vais rincer. Deuxième shampoing, je vais rincer. Je vais faire mon après-shampoing, je vais rincer. Et vraiment, la dernière eau de rinçage va être ce mélange-là. Eau plus vinaigre. Et ensuite, je vais sortir et je vais faire ma routine normale avec les crèmes, les huiles que je mets sur mes cheveux. Je vais laisser sécher et on verra ce que ça donne. Alors ça y est, je sors de la douche, je me suis coiffée, donc voilà, pour le moment on voit rien évidemment puisqu'ils sont encore mouillés. J'ai fait ma routine habituelle, donc crème, huile, et maintenant bah, je vais attendre qu'ils sèchent pour voir au niveau de la brillance. Mais déjà je sens que mes cheveux sont beaucoup plus démêlés en fait, là je passe les doigts, ça se démêle hyper facilement. Ils sont assez doux, mais maintenant je vais voir par rapport à la brillance, parce que normalement je vais avoir plus de brillance que d'habitude. Et au niveau de l'odeur, là je sens un petit peu l'odeur de vinaigre, mais normalement ça devrait partir. Après ça reste pain, vous inquiétez pas, même le vinaigre de cidre au bout d'un moment ça part. Et là je vais voir, mais même si ça reste en fait ça me dérangerait pas du tout, parce que l'odeur n'est pas entêtante, elle n'est pas extrêmement forte, c'est vraiment assez doux et subtil. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne quand ça va sécher. Alors là mes cheveux sont quasiment secs et je voulais vous montrer. Déjà on voit la brillance. Et surtout en fait, j'ai l'impression que mes ondulations sont beaucoup mieux définies en fait. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais là, je kiffe. Il y a un aspect différent de d'habitude, j'adore. Regardez-moi cette brillance s'il vous plaît. Magnifique, là il y a beaucoup de lumière, le soleil est sorti, on voit trop bien. Regardez-moi cette brillance s'il vous plaît. Ils sont magnifiques. J'adore. Et comment mes ondulations bouclettes sont bien rebondies, j'aime trop. Je vais arrêter de les toucher parce que sinon je vais casser les ondulations. Mais regardez comment c'est beau. Je suis trop contente. Ah non mais je surkiffe ce produit, ça y est. C'est mon produit favori.
trop magnifique. J'aime trop. N'hésitez vraiment pas à aller voir les avis qui sont laissés sur la fiche produit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous verrez, c'est un carton. Tout le monde surkiffe ce produit. Et en plus, c'est ultra simple à faire en fait. Il suffit de mélanger deux cuillères à soupe à 500 ml d'eau. Hop, rincer et basta, c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Parce que voilà, les masques, on sait que c'est très bien. Masque à base de poudre, d'huile, etc. Mais après, voilà, rincer, c'est chiant, c'est long à faire. Là, voilà, c'est juste une petite eau de rinçage. Donc moi, je surkiffe, je valide. Mais à 10 000%. Mais vraiment à 10 000%. Celles qui l'ont testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous voyez très bien par vous-même à quel point c'est joli, mais vraiment à quel point c'est joli. Le vinaigre de cidre que j'utilisais à l'époque m'avait pas fait cet effet là. Après peut-être que parce que là mes cheveux sont en meilleure santé, donc voilà, on a tout de suite l'éclat, tout de suite le truc. Mais là je suis choquée, je suis choquée. Vive le vinaigre de fleur de coco, franchement de la bombe. Je testerai aussi le vinaigre de grenade aussi pour voir s'il y a une différence. Mais voilà, pour moi c'est plus que validé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits. J'adore faire les crash tests, mais vraiment je surkiffe ça. Je trouve ça trop intéressant, trop pertinent. Et même pour moi en fait, voilà, je découvre de nouveaux produits donc je kiffe. Et n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes publications. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.